Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai reçu mon colis qui devait arriver depuis ben, aujourd'hui. C'était la date butoir. Donc c'est pour ceux qui ont acheté sur vente privée ou qui avaient vu la vente privée. Donc le carton est énorme. Je ne sais pas. Je vais vous faire voir les livres. Ah, déjà, ils sont plus. Le format est plus grand que ce que je pensais. Donc le magicien d'Oz. De Fabiana Attanasio. Donc c'est des livres que j'ai achetés à 3,50 € la pièce sur vente privée. Et il y avait, je ne sais plus combien il y avait en frais de port. Mais du coup, j'ai pris 5 livres et ça m'est donc revenu à... 25 €, je crois, il me semble, je sais plus trop. 3,50, 7,14. Ouais, ça devait être dans ces eaux-là. Ah, c'est pas mal ça. Donc, je les découvre en même temps que vous, hein. C'est des livres que je ne connaissais pas. Donc, Dorothy. La sorcière. Oh, les dessins sont sympathiques. J'avais vu quelques extraits quand même avant de les acheter. Franchement, ils sont super complets. Il y a beaucoup de pages. Beaucoup de colos. Le papier a l'air d'être plutôt pas mal. Je vais essayer de pas trop traîner parce que si je dois faire les 5 sur la même vidéo. Les dessins sont vraiment dans l'ensemble plutôt... Enfin, j'apprécie, je les aime bien. Par contre, beaucoup de double pages à la fin. Voilà, et donc... Il y a aussi un poster d'offert avec. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à l'ouvrir comme ça. Ben non, il est énorme. Donc voilà le poster. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est quand même la grosse tache de colle dans le ciel. Mais bon, je pense qu'on va pouvoir... Enfin, les grosses taches, puisqu'il y a aussi sur l'œil de la sorcière. Je pense que je vais pouvoir m'en arranger. Et de toute façon, je ne suis pas très fan de posters. Donc voilà pour le premier. Donc à la base, il coûte quand même 12,50 € pièce. Donc voilà. Il y a Blanche-Neige. Toujours de Fabiana, édition Picolia. Oh, pardon. Voilà. Franchement, en plus, c'est plutôt bien protégé. Je ne suis franchement pas déçue de mon achat petit prix. Plutôt contente de mon bon plan. Enfin, des bons plans qui ont été partagés sur les pages Facebook que je côtoie beaucoup. Donc là, la petite histoire de Blanche-Neige.
C'est vraiment. J'aime bien ce dessin. Chasseur. Cœur. Puis c'est des dessins sur lesquels je vais pouvoir vraiment bien travailler. Vous voyez le visage, tout ça, il est fait assez simplement. Les mains. Enfin, je veux dire. Je pense qu'on va, je vais pouvoir vraiment bien m'amuser là-dessus. Je suis pas trop quand il y a beaucoup de personnages, tout ça, à cause des ombres et tout, que je trouve un peu compliqué à faire. Mais là, je pense que franchement, je vais pouvoir bien travailler. Les pommes. Puis en plus c'est un, enfin je veux dire c'est un conte, donc on va avoir plaisir à tourner les pages, à découvrir l'histoire, même une fois qu'il sera colorié, quoi, je veux dire. Satisfaite. Alors, on va rouvrir cette fois-ci le poster. Il est dans l'autre sens. Voilà, donc c'est Blanche-Neige avec les sept nains. Bon, là, le papier, il a pris un petit coup à certains endroits. Et toujours ce petit point de colle qui fait pas très joli. Mais bon, globalement, j'en suis contente. Donc là, je suis déjà à 7 minutes. J'ai encore 3 livres à vous faire découvrir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une autre vidéo pour les autres. Donc voilà, donc là je vous ai fait découvrir Blanche-Neige et le magicien d'Oz. Donc je reviens tout de suite pour les autres.